Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de 4 nouvelles toiles de chez Action. Donc ils avaient fait l'année dernière une collection Emoji, il y avait il me semble aussi 4 toiles, et là ils en ont fait une nouvelle collection Emoji, vous voyez, avec 4 toiles totalement différentes, et je pense même que le format est différent, parce que d'un fois c'était des petits carrés, et là elles ont l'air plus grandes, et il y a l'air d'avoir des diamants énormes dessus. Donc ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc on a une espèce de licorne, je pense que c'est ça. Un emoji avec les yeux en cœur, un petit chat licorne et un emoji sourire papillon. Et comme ça. Donc on va voir, pour déballer ça, bon, on va commencer par la licorne. De toute façon je vais vous montrer les quatre, mais on va faire un en full truc. Donc on a la boîte, derrière il nous montre bien les autres modèles existants. Donc a priori, on aurait un stylet, peut-être avec marqué emoji dessus, une barquette, un pinceau. Et de ce que j'ai vu, ouais voilà, regardez, à chaque fois, il nous montre une couleur de stylet et de barquette différents. Alors, je me demande, j'ai pas vu d'unboxing encore de ces boîtes et je les ai pas ouvertes. Donc je me demande si on a réellement des choses différentes. J'aurais dû enlever les scotch avant. Voilà. Moi, vous voyez que je n'ai pas ouvert avant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, alors déjà, on voit bien qu'on a effectivement un stylet vert et une barquette rose comme marqué sur la boîte. Et il y a effectivement un petit, une petite étiquette emoji dessus. Ok, donc avec un pain de cire, c'est simple, c'est efficace. Il y a une barquette ouverte au bout sans bague vers ça. Oh là là, il y a des jolies choses. Pourquoi j'ai un sachet? Alors ça par contre, j'ai un sachet tout seul. Je sais pas, peut-être que c'est avec le kit. J'espère. Ah, on a un deuxième. Donc j'ai un deuxième sachet tout seul, donc peut-être que c'est deux sachets pour le kit. Donc là, on a... Alors attends, on va regarder déjà. Donc c'est bien une licorne. Et effectivement, il y a des diamants qui sont immenses. Hein. Bon, la taille de ça, c'est une feuille à 4. Hein. A priori, ce qu'ils disent sur la boîte. Donc, au niveau du collant. Alors la toile colle partout, hein, même entre les espaces. C'est très, très bien au niveau du collant. Au niveau de l'impression. Bah écoutez, c'est très bien. Hein, vous voyez peut-être un peu flou, attendez. Voilà, vous voyez, l'impression, elle est nickel. Voilà, donc l'impression est effectivement très bien. Alors, on a 3 sachets. Alors, on va les ouvrir avec les différents diamants. Alors, on a quoi? Est-ce qu'on a une indication quelconque? Non! Il n'y a rien sur ces sachets-là. Ah, bah, c'est ballot, ça! De dire c'est du. C'est un truc, mais il n'y a pas d'indication. C'est censé y avoir, peut-être? Alors, là, il y a quoi? Ah, alors, oh là, ok, alors on a une petite indication, elle est là-haut. A5, ça pourrait être ça, ouais, c'est des tout petits strass, ok. Là, on l'a dessus, G3. Ok. Là, on a un D2, alors ça, c'est pas GG, franchement, c'est pas très très bien imprimé. Hein. Là, on a ce qui semble être un A4. Ouais, niveau impression, on repassera. Hein. C2, C6... G2, 17. Oh, ils sont vraiment minuscules. Hein. Mais minuscules, regardez par rapport à des strass de taille normale. C'est vraiment minus. Hein. Je vais m'approcher, ouais. C'est vraiment, vraiment minus. Hein. Mmh. Oh, ils sont très jolis. On a des tout minus. Oh là là, il y en a des microscopiques. Non, mais... Oh mon dieu. Et là, on a des plus gros, vraiment des dômes, de toutes les tailles. On a... Oh là là. Et tout ça? Tous ces diamants différents, là? Oh mon dieu, il y en a combien de diamants spéciaux différents? Ils n'ont pas une fiche récapitulative qui serait restée coincée, là? Non, il n'y a rien. Purée, mais... Alors, ils n'ont aucun récapitulatif. Oh là là. C'est un peu bordélique, ça. Hein. Surtout que si c'est dans le rayon... Enfin, c'est dans le rayon en France. C'est à destination, donc, théoriquement... Des enfants, ça sent un peu compliqué. Vu qu'il y a tout plein de.
Et pourquoi il y a autant de sachets? Il y a vraiment autant de trucs que ça? Mais différents. Alors là, on a des énormes. A1, A3, H6, on a du bleu. Ok, oh, ceux-là, ils sont beaux aussi. Hein. Ils sont... Franchement, il y en a des très, 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 très beaux. Hein. Et regardez-moi ça, regardez-moi ces cœurs, là. F1. Regardez-moi ces cœurs. Et c'est pas les plus gros. Hein. Les cœurs. Encore des strass. Oh là là, mais... Oh là là, mais... Regardez-moi ça. A1, A1, A1. Je serais tout ça à placer. Et B. Et ben, bon ça on peut pas leur enlever que purée, il y a une quantité de strass, j'ai pas compté, mais sur une petite toile, il y a autant de strass différents. Mon Dieu. Mon Dieu de bordel. Et un troisième sac de diamants à enlever. Et le pire, c'est que toutes les toiles, elles ont des couleurs différentes et des trucs différents. Il y a moyen que ce soit vraiment différent. Et donc là, on a un troisième sachet. Il y a un énorme cœur dedans. Oh là là. Et là, on a des dômes, on a des gouttes, on a des mini trucs. Des mini strass, on a des petits dômes, des plus gros dômes. Oh là là, des petits strass normaux. Oh, des dômes. Il y en a combien, mais sérieusement? Regardez-moi ces gros cœurs. Et il y a encore plus gros. Il y en a deux énormes qui vont là en bas. Hein, vraiment la taille du bordel. Waouh. Waouh. Ebay. Franchement, là comme ça, j'ai plus le prix en tête. Mais c'était vraiment pas cher. Hein, pour la dose de strass qu'il y a. On regrettera juste qu'il n'y ait pas une fiche récapitulative du nombre de diamants là. Et que ce soit imprimé pas toujours très très bien. Mais sinon, ça a l'air sympa. Hein. J'ai hâte de tester ces gros strass. Voilà, on va remettre celui-là dans sa boîte. Voilà, c'est trois petits paquets. Enfin, petit paquet. On s'entend de strass. Voilà, hop, là, les petites. Ensuite, j'ai quoi? Ensuite, j'ai celui-là. Hop, oh, l'emoji. Qu'est-ce qu'il y a dedans en plus? Il y a 4 sacs de diamants, celui-là. Oh, bordel. Mais c'est pas possible, quoi. Genre, 4 sacs de diamants. 4. Il y en a même qui traîne dehors. Bon, alors non, comme c'était marqué, effectivement, on a marqué de différentes couleurs et le stylet de la couleur différente aussi. Ça, c'est sympa. Toujours bien imprimé. Hein, le collant de Wuri, c'est comme l'autre. Pas de soucis sur le collant. On a des gros carrés là, pour les dents. Il n'y a que des trucs énormes. Autant l'autre, il y a des mini trucs. Autant lui, j'ai l'impression. Il n'y a que des trucs énormes. Oh, ça. Oh là là. Je vais pas tout déballer hein, parce que sinon on va pas finir. Les dômes, il y a des cœurs, il y a des immenses strass là de ce côté. Il y a un immense cœur jaune. Il y a même des petits strass rectangulaires comme ça. Purée. Je sais pas où ils vont ceux-là, mais je sais pas, mais c'est impressionnant. Là on a quoi? On a les fameux carrés pour faire les dents. Encore des dômes, des strass, encore des cœurs. Oh là là, c'est fou. Oh là là, pour la bouche, je pense. On a quand même quelques petits strass normaux. Oh, purée. Et là, on a tout plein de petites choses. On a encore des cœurs, des trucs, des gros cœurs roses, là, au milieu, vous voyez. Et encore des... Et un sachet avec des petits dômes. Oh, purée, mais il y a tellement de strass différents. C'est un truc de malade. Une fois de plus, Action, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. On te dit, ils te donnent
Ils font des trucs en strass. Ouais, mais ils y vont pas à moitié. Pareil, on a de nouveau les deux petits sacs plastiques. Donc ça semble être effectivement la norme. On va faire ça comme ça. Essayez de pas abîmer le machin en rangeant. Voilà. Ok, ensuite on a le petit chat licorne qui a l'air d'être tout dans les tons, les trucs transparents, violets. On va voir ça. Hop. Ah, oulala. Donc là, on a barquette violette, etc. Stylo violet comme marqué. Là, on a le petit chat licorne qui est trop mignon avec toujours. Très très bien imprimé. Oh là là, qu'est-ce qu'on a comme tout ? On a trois sacs ici. On a des énormes gemmes violettes, on a du vert, on a du orange. Ici, on a du rose translucide. Encore des gros strass. Mais ça, tu les places pas avec un stylet, tu les places à la pince, au doigt même. On a des petites. Enfin, des grosses gouttes. On a un gros cœur ici, des petites gouttes. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment vraiment quoi faire, hein. Et est-ce que c'est tellement gros aussi pour les enfants, ce sera peut-être plus facile que de placer pour les plus petits des strass très très petits. Ce genre là, le corne, il y a les strass minuscules là. Je pense qu'un enfant pourrait avoir un peu de mal peut-être à placer ça. Parce que là, ceux qui ont que des gros quasiment, que des gros, je pense que ça peut être. Oh là 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 là. Donc là, on a le papillon, donc barquette rose, stylet orange. Regardons ça. Oh là là, là, on a des formes qu'on n'a pas dans les autres. Hein. Regardez-moi ce papillon. Ce papillon smiley. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a trois sacs de nouveau. On a des cœurs bleus, on a des énormes gemmes vertes en pagaille. On a des petits cœurs bleus ici. Je ne sais pas si vous les verrez, des petits cœurs bleus. Ici, on a des énormes strass. Ça, en forme d'amande. On a des gouttes, du vert, on a des dômes gris-bleus comme ça. Là, on a des énormes. Bleu, gris, plein de petits strass, du violet, du tout petit strass aussi à blasser. Oh là là, franchement, cette collection emoji, elle me hype. Franchement, ils sont trop bien. J'ai hâte de tester ça, donc je testerai certainement ça en live un jour ou l'autre. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, le lien est en description, je live tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Dans la description, vous trouvez aussi tous mes autres liens, la chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube, vous y êtes, donc la chaîne Twitch, la boutique Etsy, le serveur Discord, le Facebook, tout tout tout. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour ne rien manquer. Voilà les amis, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!